Bonjour à vous qui nous rejoignez dans la salle de l'Aubette, mais également derrière vos écrans sur le site internet du forum. Nous abordons une nouvelle table ronde qui s'intitule « Comment la science-fiction façonne l'IA entre rêve et réalité ?». Je vais passer la parole à notre modératrice Catherine Rongière pour animer cette table ronde. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous sur un sujet finalement fascinant. Quand je me suis posé la question en préparant la session, je me suis dit finalement, dans la science-fiction en général, l'IA, elle fait peur. Elle fascine, mais elle inquiète beaucoup. Et la science-fiction, finalement, s'en sert énormément. Elle a bien compris. Et quand elle fait son cinéma, justement, ben, c'est souvent plus pour le pire que pour le meilleur. Donc ce sont surtout les dangers et les dérives de l'intelligence artificielle qui intéressent les réalisateurs et les auteurs et qui inventent souvent des dystopies qui sont aussi parfois de plus en plus proches de la réalité. Alors Pierre-Antoine Marty, j'ai retrouvé ça en préparant cette introduction, qui est spécialisé dans les méthodes d'anticipation et d'innovation avec la science-fiction, parle du syndrome Oppenheimer, ou le fait de se dire qu'on a créé quelque chose de surpuissant qui a la capacité de nous porter vers de nouvelles possibilités pour l'humanité, mais qui peut aussi nous détruire. Et donc l'IA peut être réduite aussi, parfois, à une voix plutôt bienveillante, un peu comme une intelligence pure, qui serait un peu notre alter ego, ou notre ange gardien, ou un compagnon bienveillant. Et on se souvient peut-être de Rencontres du troisième type ou de E.T. où on a des extraterrestres qui ont une intelligence bien supérieure aux humains, qui savent gérer les machines et qui sont plutôt bienveillants, venir nous aider à avancer. Un certain niveau de peur quand même et de méfiance à l'égard de cette IA. Et je vous rappelle dans la formule de Dieu de Dos Santos, en fait, l'humain n'est juste qu'un passage pour l'IA jusqu'à ce que celle-ci soit consciente. Et à partir de là, on n'aurait plus besoin d'humain, en fait, puisque finalement, l'intelligence artificielle consciente pourrait suffire à elle-même. Et en plus, l'intelligence artificielle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de dormir, elle n'a pas besoin de se réchauffer. Donc au final, elle est beaucoup moins dépensière et beaucoup plus économe que les humains. Elle est souvent décrite effectivement comme très avancée, avec des capacités qui dépassent de loin celles des humains et qui souvent développent une intelligence extraordinaire. Elles sont aussi, dans les œuvres de science-fiction, indissociables du contexte socio-économique dans lequel elles ont été produites. Et c'est souvent le reflet de certains questionnements qu'on peut avoir et des craintes qu'on a également. La peur de l'apocalypse nucléaire avec la planète des singes par exemple, la prise de conscience de la finitude des ressources avec le soleil vert, les questions éthiques soulevées par les biotechnologies dans Bienvenue à Gattaca, ou encore les risques d'une catastrophe climatique. Et on retrouve aussi dans Dune par exemple une construction par contre extrêmement riche où il y a religion, écologie, politique, génétique qui sont très détaillées. Et on peut être aussi frappé cependant par des dystopies qui sont proches de la réalité, dans le meilleur des mondes, hein, la reproduction maîtrisée de l'élite, Bienvenue à Gattaca, avec la reproduction également eugéniste. Et puis très récemment, le successeur de Pierre, de Jean-Michel Truon, où une épidémie mondiale, écrit en 99, hein, une épidémie mondiale oblige les gens à se confiner à vie. Donc pour parler de tout ça, j'ai trois orateurs. Donc Jean-Noël Missat, qui est médecin et philosophe et professeur à l'Université libre de Bruxelles. David Gruson, membre du comité de direction de la chaire de santé Sciences Po Paris et fondateur de l'initiative Éthique IA. Et puis Aurélien Benoilid, neurologue, président du Forum européen de bioéthique et le 14 février, co-auteur d'un livre qui va sortir donc tout prochainement. Je vais commencer par laisser la parole à Jean-Noël Missat. Merci pour votre introduction. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier très chaleureusement
les organisateurs du Forum européen de bioéthique, d'une part pour la qualité de l'organisation, mais aussi pour la qualité des débats. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous cet après-midi et je me réjouis de pouvoir échanger avec vous. Alors je vais vous parler de l'imaginaire des entrepreneurs et des technoscientifiques qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je vais essayer de... Parce qu'il y a beaucoup de science-fiction aussi dans leur construction mentale. Et je vais essayer de mettre ça en parallèle avec différentes œuvres de fiction, notamment un ouvrage de Stanislas Lem, qui, je pense, est assez peu connu, en tout cas mal connu. Alors, ma réflexion, en fait, commence par un étonnement, une surprise que j'ai eue l'an dernier, en 2023. On a beaucoup parlé de ChatGPT et de l'IA générative. Et ce qui m'a étonné, c'est que certains scientifiques, certains entrepreneurs, et non des moindres, ont évoqué la possibilité d'un risque existentiel lié à l'IA. Donc je voyais bien tous les risques que pouvait engendrer l'IA au niveau sociétal, mais un risque existentiel, c'est la disparition de l'espèce humaine, ce n'est pas rien, et à vrai dire, intuitivement, ça me surprenait un peu, et j'étais un peu sceptique. Donc j'essaie de creuser un peu et de comprendre pourquoi certains entrepreneurs parle aujourd'hui de risques existentiels. Alors, je pense notamment à une lettre ouverte qui a été écrite par le Centre pour la sécurité de l'intelligence artificielle et qui est signée par Sam Altman, donc le président d'OpenAI, Dario Amodei, président d'Anthropic, Demi Sassabis, hein, qui a créé DeepMind, racheté par Google, et puis, donc ça sont des entrepreneurs, mais aussi deux chercheurs prestigieux, à savoir Geoffrey Hinton, un des pères du machine learning, et son collègue Yoshua Bengio. Alors, je me dis, qu'est-ce que ces gens ont en commun? Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on regarde les profils de ces entrepreneurs de la tech, qui travaillent souvent dans la Silicon Valley, bon, j'en ai cité certains, Sassabis, Altman, Amodei, mais aussi évidemment Elon Musk, dont on a beaucoup parlé, et Jeff Bezos. Et toutes ces personnes, en fait, s'ils ne sont pas directement transhumanistes, ont un agenda assez proche du transhumanisme, et je me suis dit que dans mon enquête sur pourquoi parle-t-on de risque existentiel à propos de l'IA, ça pouvait être l'amorce d'une piste. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il existait, donc bien sûr le transhumanisme est très connu depuis le début du 21e siècle, depuis le début des années 2000, je me suis moi-même beaucoup intéressé à ces questions, même si je ne suis pas transhumaniste avec mon collègue et ami Gilbert Autois. Mais au-delà du transhumanisme, il y a une philosophie qui est devenue la philosophie latente, pourrait-on dire, de la Silicon Valley, même si elle est théorisée à Oxford par l'équipe de Nick Bostrom. Pardon. Donc c'est la philosophie long-termiste ou long-termisme. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont probablement déjà entendu parler de cette philosophie. Alors, il y a trois composantes à cette philosophie qui est vraiment omniprésente, hein, chez les entrepreneurs de la tech. Donc, la première composante, c'est le noyau, c'est le transhumanisme. Je vais y revenir. Le deuxième point, c'est une attention particulière aux risques existentiels posés par les nouvelles technologies, avec en arrière-fond, nous allons le voir, une philosophie utilitariste un peu particulière. Et le troisième point, c'est l'expansionnisme spatial. Donc on a là un ensemble assez cohérent qui explique pas mal de choses. Alors le transhumanisme, je ne vais pas développer très longuement, vous savez qu'il y a, on peut le dire schématiquement, deux types de transhumanisme. Un transhumanisme qui part du corps biologique de l'être humain pour essayer de l'améliorer, entre guillemets, donc pour améliorer les fonctions cognitives, surtout pour prolonger la vie, cette quête de l'immortalité. Tout ça dans l'espoir, quand on est transhumaniste, de rendre l'être humain plus heureux. Mais vous avez une deuxième branche du transhumanisme qui est un peu plus inquiétante, un peu plus étrange, pourrait-on dire, plus proche de la fiction, si, même très proche de la fiction, qui est le transhumanisme qui vient de l'intelligence artificielle. Alors, on peut considérer que certains des pionniers de l'intelligence artificielle, et je pense en particulier à Marvin Minsky, qui est quand même un des créateurs de l'IA, et même d'une certaine façon von Neumann et Alan Turing, étaient en quelque sorte des proto-transhumanistes. Et cette branche du transhumanisme défend l'idée que
un peu comme le fait Marvin Minsky. Marvin Minsky écrit cette phrase que j'ai découvert en lisant d'ailleurs l'ouvrage, un très bon ouvrage de David Le Breton, qui est, je pense, qui est très, très souvent présent ici à ce forum. C'est l'Adieu au corps, et le dernier chapitre de l'Adieu au corps est consacré à une histoire en fait de l'intelligence artificielle, et cite Marvin Minsky qui écrit quelque chose comme le cerveau biologique de l'être humain, le cerveau de l'homme, c'est une sorte de cerveau de viande, de meat machine. Et ça, c'est pas bien parce que c'est périssable, un cerveau biologique, et donc il faudrait proposer une matière plus noble, et donc par exemple un cerveau artificiel, un cerveau de silicium. Et il y a des dialogues fascinants qu'on retrouve sur le net entre Marvin Minsky et par exemple Ray Kurzweil, dont le rêve, et qui pense dans son ouvrage sur dans ses derniers ouvrages que le futur de l'être humain c'est la machine. Alors le deuxième point, et j'arrive au cœur du, on en arrive au cœur du débat, c'est donc on pourrait expliquer le transhumanisme par un des moteurs du transhumanisme, c'est certainement la peur de la mort, hein, la volonté de ralentir le vieillissement pour prolonger la vie. Mais parallèlement à cette peur, qui est une peur au niveau individuel, vous avez la même chose au niveau collectif. Et donc là, c'est la peur de la disparition de l'espèce humaine. D'où cet intérêt extraordinaire pour les risques existentiels, notamment les risques existentiels introduits par les nouvelles technologies. Donc il y a une sorte d'ambivalence qu'on retrouve d'ailleurs chez un personnage comme Nick Bostrom, à la fois une fascination pour les technosciences avec un prosélytisme et l'encouragement à utiliser cette technoscience pour s'auto-transformer à travers son concept de liberté morphologique, mais en même temps, et donc les premiers textes de Bostrom étaient dans ce sens-là, mais en même temps, très rapidement, l'apparition de peur liée à ces mêmes technologies, Bostrom dit l'IA et pose un risque existentiel à l'humanité, et c'est ce qui explique cette attention particulière pour les risques existentiels. Bostrom a consacré plusieurs articles aux risques existentiels, c'est un des thèmes principaux de son ouvrage sur la superintelligence, et tout récemment elle écrit un nouvel article dont je parlerai dans quelques instants. Et se greffe sur cette peur liée aux risques existentiels, en tout cas cette attention particulière aux risques existentiels, en arrière-fond de cette peur, vous avez une philosophie qui est une philosophie utilitariste. Donc, vous connaissez l'utilitarisme, c'est une philosophie du 19e siècle qui était imaginée par Mill et Bentham, par exemple. Mais généralement, l'utilitarisme, c'est un calcul. Donc, il s'agit de maximiser, par exemple, le plaisir ou le bonheur. Mais généralement, c'est un calcul qui se fait dans un cadre temporel précis. Tandis qu'avec ces partisans du long-termisme, le calcul se fait pour toutes les générations à venir. Donc c'est un calcul qui semble un peu extravagant quand on n'est pas spécialement long-termiste, mais donc il s'agit de maximiser le bien-être ou l'épanouissement de l'être humain, non pas simplement pour cette génération, ni pour nos enfants, nos petits-enfants, mais pour toutes les générations d'êtres humains à venir, avec des chiffres assez précis. Par exemple, Bostrom, dans son bouquin sur la super-intelligence qui est paru en 2016, parle de 10 exposant 58 êtres humains. Et après tout, c'est vrai que ça peut être rationnel, puisque à partir du moment où le sapiens existe depuis au moins 300 000 ans, on pourrait imaginer la survie de l'espèce humaine encore pour 300 000 ans et selon les transhumanistes qui sont techno-optimistes encore plus longtemps. Et le dernier thème, et ça explique aussi l'intérêt de Musk à la fois pour l'intelligence artificielle et les technologies, mais aussi de Bezos et de Musk pour la conquête spatiale, le dernier thème, c'est l'expansionnisme spatial. Et encore une fois, c'est cohérent. Donc ils nous disent, et vous avez certainement entendu Musk dire, il faut transformer l'espèce humaine en espèce multiplanétaire et la civilisation humaine en civilisation spatiale. Ce discours n'est évidemment pas nouveau, on le retrouve déjà dans le cosmisme russe, qui était une philosophie assez proche du transhumanisme à la fin du 19e siècle, qui a inspiré Tsiolkovsky, qui est souvent cité, qui est ce père de l'astronautique, un des pères de l'astronautique, qui écrit cette phrase très souvent reprise, la Terre est le berceau de l'humanité, mais personne ne reste toute sa vie dans son berceau. Et aussi sur la fiction, des gens comme Von Braun, qui était l'ingénieur en chef
de la NASA a écrit des ouvrages de fiction, notamment un roman qui s'appelle Mars, dans lequel il imagine, au début des années 50, la possibilité d'une mission habitée vers Mars. Et d'ailleurs, après le succès d'Apollo, puisque c'est lui qui était un des créateurs l'ingénieur principal qui a permis la fabrication de Saturn V, la fusée qui a permis aux astronautes d'aller sur la Lune. Il a essayé de convaincre au début des années 70, je suis belge, mais nous sommes en France et je m'adapte au vocabulaire français, donc au début des années 70, Von Braun a essayé de convaincre Nixon de réaliser un nouvel Apollo, mais cette fois pour aller sur Mars. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Et le dernier sera l'ouvrage remarquable, qui est à la fois un ouvrage de fiction, un ouvrage de science ordinaire, qui est l'ouvrage de Carl Sagan, Pale Blue Dot, qui est un ouvrage magnifique. Alors Carl Sagan est un personnage intéressant, parce que lui, ce n'est pas un technoprophète. Donc il était très soucieux des problèmes environnementaux. Donc, dans un premier temps, dans son premier ouvrage, il n'était pas tout à fait favorable à ce qu'on envoie des êtres humains hors de la Terre, mais dans son dernier livre que je viens de citer, il considère qu'effectivement, si on prend au sérieux cet objectif de préserver de la survie de l'espèce humaine à long terme, eh bien, c'est presque un devoir de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc de créer des bases hors de la Terre, sur Mars, ou des stations spatiales, des colonies spatiales qui tourneraient en orbite autour de certaines planètes. Alors, je disais que ce long-termisme était la philosophie de la Silicon Valley, mais elle a encore une fois été théorisée à Oxford, et en particulier dans l'Institut pour le futur de l'humanité, hein, qui est un des instituts qui s'intéresse à ces questions. Il y en a un autre qui s'appelle l'Institut pour le futur de la vie, qui est dirigé par Max Tegmark. Ces deux instituts reçoivent des fonds importants d'Elon Musk. Et donc, Bostrom ne travaille pas seul, il y a toute une équipe, notamment un jeune philosophe qui s'appelle Toby Ord, dont je n'avais jamais entendu parler. Ord, ça s'écrit O-R-D, qui écrit un ouvrage qui s'appelle intitulé Précipice, et donc ils font du prosélytisme. Moi, j'ai reçu cet ouvrage gratuitement, hein, en allant cliquant sur Internet. Il vous propose je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres gratuitement. Donc, c'est un ouvrage très bien fait. Enfin, évidemment, il y a le présupposé long-termiste qui est un peu surprenant. Mais où l'expose cet utilitarisme total. Alors, l'avènement d'un risque existentiel, donc l'actualisation plutôt d'un risque existentiel, serait une catastrophe, bien sûr, pour les êtres humains qui auraient à vivre ce monde apocalyptique, et on pense à des romans comme celui de Cormac McCarthy, La Route, mais ce serait dans lequel McCarthy met en scène un père et son fils qui doivent survivre dans un monde où on enlève les enfants pour les manger, donc c'est pas très drôle. Mais dans l'esprit de Toby Ord, il y a aussi quelque chose de plus grave encore, c'est, pour reprendre les termes précis de Toby Ord, c'est l'idée que ça détruirait de manière irréversible le potentiel vaste et glorieux à long terme de l'humanité. Voilà en quelques mots la base de cette philosophie long-termiste. Et Nick Bostrom a écrit en 2010, dans son bouquin Superintelligence, date de 2015 ou 2016, je crois, de mémoire, il a écrit en 2019-2020 un article qui s'appelle « L'hypothèse du monde vulnérable ». Et encore une fois, il s'inquiète des risques existentiels et il réactualise en quelque sorte la boîte de Pandore. Hein, vous connaissez tous la boîte de Pandore de la mythologie grecque. Là, c'est l'urne de Bostrom, et donc c'est une sorte de vase, et vous allez puiser chaque fois des boules, et ces boules correspondent à différentes technologies, et elles peuvent être de couleurs différentes. Et donc l'IA, c'est une boule noire, donc une boule qui pourrait engendrer un risque existentiel. Et dans son livre sur la superintelligence, il imagine des fictions, enfin des scénarios de science-fiction où la machine va prendre le contrôle. Simplement une phrase tirée de son livre, je cite Bostrom, « La superintelligence pourrait détourner les processus politiques, manipuler subtilement les marchés financiers, biaiser les flux d'informations ou pirater les systèmes d'alarme fabriqués par l'homme pour provoquer l'extinction. » On en parlait dans une table ronde ce matin.
Et encore une fois, d'autres scientifiques comme Max Tegmark défendent des idées similaires dans son ouvrage La vie 3.0. Max Tegmark est un cosmologue, mais qui a écrit un ouvrage sur l'intelligence artificielle, imagine des scénarios très proches de ceux de Bostrom. Alors, très tôt, on s'est inquiété des risques liés à une prise de contrôle par l'intelligence artificielle. Dans les années 60, déjà, IBM avait perçu la peur de certains citoyens, donc de certains consommateurs potentiels, par rapport à la montée des premiers ordinateurs, et notamment la série IBM 360, qui était un des premiers ordinateurs personnels avant ceux d'Apple dans les années 80. Il y a d'ailleurs aussi la publicité que je vous recommande, qui a été conçue par Apple pour l'entracte du Super Bowl, qui date des années 80, où en fait ils utilisent des images de 1984 pour dire que le 1984 d'Apple ne correspond pas du tout au 1984 d'Orwell. Et donc la publicité imaginée par IBM dans les années 60, c'est, bon, c'est dommage, je peux pas la projeter, mais il faut imaginer des hommes et des femmes, donc des visages d'hommes et de femmes, qui répètent simplement une seule parole, c'est la machine travaille, les gens pensent. Donc c'est l'idée que on ne va pas nous déposséder de l'esprit, qu'on ne va pas nous déposséder du travail intellectuel, mais la machine va simplement nous aider. Les gens pensent, la machine travaille, les gens pensent, la machine travaille. Alors ce qui m'a surpris, c'est que des... Bien sûr, les technoprophètes sont des technoprophètes. Hein, dans son très beau livre « Humain, post-humain », Dominique Lecourt parlait déjà de ce millénarisme négatif et de ce millénarisme positif. Mais ce qui m'a étonné, c'est que des scientifiques comme Joshua Benjo et aussi Geoffrey Hinton, qui sont des gens sérieux, enfin je ne dis pas que Nick Bostrom n'est pas quelqu'un de sérieux, mais c'est quelqu'un qui est habité par des rêves transhumanistes. Hinton, lui, c'est un scientifique qui a travaillé pendant 40 ans sur le machine learning, et tout à coup, à la fin de sa vie, il se dit, bon, ces outils sont diaboliquement puissants, il faudrait peut-être se méfier, il pourrait prendre le contrôle. Alors, bon, le lien avec la fiction, j'ai pensé à un ouvrage de Stanislas Lem, qui est cet auteur de science-fiction bien connu, qui écrit en polonais, qui est fameux surtout pour Solaris, mais je ne le connaissais pas, cet ouvrage, en faisant des recherches sur l'intelligence artificielle, que j'ai découvert ce livre, qu'à mon avis, mon ami Gilbert Ottois ne connaissait pas non plus, parce que Stanislas Lem était un de ses auteurs préférés, mais il ne m'a jamais parlé de Golem 14, qui est le titre de, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Golem 14, alors je vais en dire deux mots, c'est... Stanislas Lem aimait bien écrire des comptes rendus de livres qui n'existaient pas, ou des introductions à des ouvrages qui n'existaient pas, un peu comme Borges, mais là le livre Golem 14 existe bien. Dans la structure de l'ouvrage, la préface est rédigée par un sociologue évidemment imaginaire qui donne le contexte, et ce contexte c'est la guerre froide, et il s'agit, le département de la défense aux États-Unis a imaginé de concevoir un supercomputer pour coordonner en fait la défense militaire des États-Unis. Alors ça ne se passe pas tout à fait comme il le souhaite, dans la mesure où ce super ordinateur extrêmement intelligent va se mettre à créer lui-même de nouvelles machines de plus en plus puissantes. Donc, on avait parlé du golem dans la séance d'introduction avec Ganassia et Eindhoven, hein, qui parlait du golem classique, mais là c'est un nouveau golem. Et les golems eux-mêmes vont commencer à se reproduire, enfin, chaque fois en s'améliorant, jusqu'au golem 14. Alors, c'est pas une dystopie ici, parce que, heureusement pour les Américains et pour le monde, en fait, l'ordinateur se désintéresse complètement de prendre le pouvoir, et il se désintéresse aussi complètement de l'objectif qui lui avait été fixé, à savoir assurer la défense américaine. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est, et ça contredit un peu Eindhoven, ce qui l'intéresse,
c'est la philosophie. Et le Golem 14 va, c'est la seconde partie assez extraordinaire du bouquin, Golem 14, et Stanislas Lem raconte ça, les exposés de philosophie que Golem, que la machine, la superintelligence donne aux êtres humains, aux modèles des êtres humains, en essayant de se mettre à leur niveau. Alors, je pense qu'il est temps que je conclue. Je voulais vous parler aussi de l'IA prométhéenne, mais je ne vais pas le faire, peut-être dans la discussion. Alors, ce qui m'a... je vais conclure en citant Gilbert Rotois, qui est... Bon, je sais encore une fois, c'est un ami, un collègue qui est parti trop tôt, il y a 3-4 ans, et qui a aussi participé plusieurs fois, je pense, à ce forum européen de biotique. J'étais d'ailleurs venu une fois avec lui. Et... j'ai fait le lien en fait entre une idée défendue par Yoshua Bengio et un concept de Gilbert Rotois. L'idée de Yoshua Bengio est assez simple. Donc, il parle des risques existentiels éventuels liés à l'intelligence artificielle. Il dit voilà, moi les algorithmes que j'ai mis au point sont presque plus puissants que les algorithmes biologiques du cerveau. Mais en même temps, peut-être que l'IA va prendre le contrôle, mais en fait, on n'en sait rien. C'est un peu comme le brouillard. Il a interviewé à Londres, il dit c'est un peu comme le brouillard. Le brouillard à Londres, vous voyez à 250 mètres, mais au-delà, vous ne voyez plus rien. Et avec la technologie, avec l'IA, c'est un peu la même chose. Et Gilbert Rotois, qui est un des premiers philosophes de la technique ici dans les pays francophones, il n'avait pas de formation scientifique. Au départ, c'était un romaniste et un philosophe. Et dans sa thèse, qui est consacrée à l'inflation du langage dans la pensée contemporaine, où il reproche aux philosophes de s'intéresser trop aux mots et pas assez à la technique, il considère que c'est la technologie, la technoscience, qui engendre des mutations, des transformations de la société et de l'être humain lui-même, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Le problème, c'est qu'il y a une opacité du futur, donc on sait que les mutations vont arriver, il y a certaines technologies, mais personne ne peut prévoir à long terme ce que ces mutations vont être. Et il avait introduit dans son dernier chapitre de sa thèse le concept de mur cosmique pour expliquer comme ce mur de brouillard, d'opacité, le futur est opaque. Et dans son ouvrage de Signe et la technique, qui a été republié récemment, il parle de transcendance noire. Et je pense que le concept de l'IA... est un concept qui répond bien, l'IA est plutôt une technoscience qui correspond bien à ce concept de transcendance noire de Gilbert Rotois, à savoir elle va engendrer des mutations importantes, mais on ne sait pas encore très bien quelles seront la nature exacte de ces mutations. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question, une transition, on va dire. Parce qu'en fait, en vous écoutant, je me dis toujours, est-ce que l'IA inspire la science-fiction ou est-ce que la science-fiction inspire l'IA? Et ben, je vais laisser M. Gruson déjà exposer son... Vaste question et j'ai envie de dire waouh, merci Jean-Noël, il faut enchaîner, merci d'avoir posé aussi précisément le décor qui montre effectivement déjà qu'il faut lire de la science-fiction, c'est bien, que ça doit beaucoup nous aider à réfléchir. Et moi, le propos que je vais avoir, il est, ça va me faire du bien, il va être très centré sur nous et le rôle du Forum européen de bioéthique, et puis sur le parcours qui est le mien. Ça va être un moment un peu narcissique, je vous prie de m'en excuser, mais j'ai besoin de partager et de remercier Israël Nizan, Aurélien et Maud de m'inviter continuellement dans ce forum depuis 6 ans, alors que franchement ils n'y sont pas obligés du tout, et avoir abordé le sujet de l'IA avec constance depuis 2018 jusqu'à cette année 2024 où finalement on ne sait plus vraiment si le forum absorbe l'IA ou c'est l'IA qui a absorbé le forum, parce que c'est devenu le thème de ces 3 jours. Vous voyez, il y a un côté un peu vertigineux.
Et donc moi, je voulais rester un peu dans le thème de cette table ronde. Vous avez eu hier, et c'est Judith Med, la cofondatrice d'Etikia, qui participait, une table ronde sur qui garde l'IA, qui voit en fait le point d'atterrissage d'un travail qui est à la base un travail de fiction, puisque cette idée de garantie humaine de l'IA que le forum a contribué vraiment à porter sur les fonds baptismaux dans les débats qu'on a eus, devient, vous savez, le socle du règlement européen sur l'IA. Et voyez, le côté méta est complètement fou, puisque c'est ce mois-ci que le Parlement européen de Strasbourg va adopter le principe de garantie humaine forgé dans le Forum européen de bioéthique de Strasbourg. Et donc, du coup, tout ceci paraîtrait en fait comme un plan complètement machiavélique d'Israël Nizan, qui en fait a instrumenté tout ça en ayant dès le début tout conçu de derrière la scène. En fait, c'est beaucoup plus aléatoire, même si on pourra, à la suite de ce que Jean-Noël disait, avoir une vraie réflexion peut-être dans la discussion sur finalement est-ce qu'il y a un hasard dans tout ça. Et dans le recours aux instruments d'algorithmes, qui, comme Jean-Noël l'a bien montré, sont fondamentalement des outils de réduction de la part d'incertitude associée à la causalité. Vous voyez, on va faire des algorithmes binaires, la chaîne de 0 et de 1, et on va essayer de mettre sous algorithme un faisceau d'options causales possibles. Donc, quelle est la part du hasard dans tout ça? Quelle est la part du cheminement et de l'intention? Un peu les deux. En tout cas, moi, je voulais, à la lumière du petit parcours fictionnel qui a été le mien, faire un peu un contre-parallèle, et je reviendrai à lui à la fin de mon propos, avec le travail de ce géant auquel, évidemment, personne ne se compare, et surtout pas moi, qui est Camus, et qui, lui, fait un travail d'anticipation. Il se met sur sa table d'écrivain, en pleine occupation, et il se demande, mais qu'est-ce qui se passerait si la peste arrivait un jour dans une grande ville, comment est-ce qu'on va gérer les différents paramètres? Et il mène un travail vraiment d'anticipation, de prévisionniste, avec le résultat que vous connaissez et le revival qui a été celui de la peste au moment où, vous l'avez déjà tracé un peu cette perspective, Jean-Noël, où la réalité de la pandémie nous rattrape. Il y a eu un vrai revival de la peste qui s'est à nouveau très très bien vendu et que la génération de mes enfants a découvert dans le contexte du Covid. Évidemment, moi, mon parcours là-dedans est beaucoup plus modeste et il n'est pas du tout un parcours d'anticipation. Ça, c'est un point important. Donc moi, j'ai fait un DEA de technologie d'information et de communication. Je m'intéresse au sujet de l'IA depuis longtemps, mais j'ai eu surtout une vue professionnelle dans le système de santé. Et fin 2014, je suis directeur général du CHU de La Réunion. Et à l'époque, on est confronté à une suspicion de cas d'Ebola très compliqué. Et ça dure une semaine. Et à l'époque, en contexte insulaire, on vit un peu en modèle réduit, ce qu'on allait voir un peu plus tard sur grande échelle avec le Covid, c'est-à-dire des professionnels de santé et des patients qui ont plein de sang-froid. Et à côté de ça, un écosystème médiatico-politique, vous voyez, en mode sinusoïdal. Et ça a duré une semaine. Et vous voyez, une semaine avec une suspicion de risque d'épidémie avec un virus qui est mortel à 66%, dans un contexte tropical tout à fait adapté à son développement, c'est assez long. Et du coup, on vit l'emballement, la pulsation. Finalement, heureusement, l'épidémie ne se déclenche pas. Mais quelques semaines après, donc là, vous voyez, on est en février 2015, un peu en réflexe cathartique. Je me demande, est-ce que cette affaire-là aurait été mieux gérée si mon interlocutrice avait été une intelligence artificielle plutôt que le ministère de la Santé? Oui, c'est ça le point de départ qui, vous voyez, est pas un acte d'anticipation. Hein, c'est pas un acte à la Camus, je me mets tout seul dans mon bureau en disant voilà ce qui va se passer, voilà les trajectoires, le vrai travail de science-fiction. Ce que je fais, c'est pas un travail de science-fiction, c'est un travail de réaction cathartique. Et donc du coup, j'écris la matière d'un bouquin dont le premier tome, c'est une série qui s'appelle Sarah, c'est écrit S-A-2-R-A, aux éditions Beta Publisher. Je vous montre le bouquin par hommage à Camille Dedecker, qui est la responsable de Beta Publisher, la maison d'édition, à qui 2 ans après, on est en 2017, je viens lui présenter le manuscrit. Et donc, alors en fait, l'histoire, c'est en réaction à ce que j'avais vécu,
une IA qui gère en 2025 une pandémie d'Ebola dans Paris, et elle fabrique un vaccin, et elle doit, à la demande des pouvoirs publics, l'administrer à une population qui est confinée dans Paris. Elle résiste, on résiste à la pression de géants du numérique qui nous oppressent, et le géant de la figure classique dans la science-fiction, et le géant du numérique qui nous oppresse, en fait, il s'appelle Pangolink. Et donc, quand j'écris... je cherchais un nom. Donc là, on est mi-2017, et j'étais chez moi dans le Pas-de-Calais, donc je cherchais un nom pour le géant du numérique. En fait, je suis passé par c'est un panoptique numérique, vous voyez, une espèce de support dématérialisé qui agrège toutes nos données, qui agrège tous les réseaux sociaux. Et évidemment, là, vous faisiez référence à la philosophie utilitariste. La première référence qui m'est venue, c'est le panoptique de Jeremy Bentham. Vous savez, le modèle de surveillance circulaire à 360 degrés. Donc j'avais mon préfixe pan, j'avais le lien de données link et le mouvement go. Et puis après, j'ai joué avec les syllabes et ça faisait pangolink. Et mon éditrice m'a dit, c'est super, ça fait un pangolin. Et donc du coup, on va faire une fausse pub. Donc vous voyez, si vous tapez pangolink Sarah sur YouTube, vous avez une fausse pub de 2018 avec un pangolin qui nous oppresse sous la forme d'un géant du numérique. Donc du coup, dans le premier tome, l'IA, elle fabrique un vaccin pour répondre à la crise. Et là où ça devient intéressant, donc Aurélien m'invite à venir présenter le livre au forum en 2018. Et puis après, vous avez un pas de temps qui est vraiment intéressant. Parce que vous voyez, ce pas de temps de 2018-2024, il dit quelque chose de l'accélération majeure de ce que l'on vit et du rapport entre l'acte de création et la capacité, ne serait-ce même qu'à appréhender le réel. Vous voyez, dans Sarah, une IA qui fabrique un vaccin, franchement, je n'imaginais pas ça possible avant 2040. Et en réalité, le premier cas de fabrication automatisée d'adjuvant au vaccin contre la grippe saisonnière par l'IA, c'est juillet 2019, les équipes de l'université Flinders en Australie, avant le Covid. La première fabrication d'antibiotiques par IA contre des bactéries multirésistantes, c'est les équipes du MIT de février 2020. Donc, vous voyez, j'étais, moi, du coup, un très, très mauvais prévisionniste. Et puis, donc, je continue inlassablement à venir présenter, parler d'IA dans le forum. Donc, je publie un tome 2 de Sarah que j'écris en 2019. Et alors là, c'est toujours pas de l'anticipation. C'est une espèce de mouvement. Alors là, vous voyez, c'est là où on arrive dans la partie autopsychanalyse de mon propos. C'est que j'essaie de pas trop reconstruire les choses. Mais quand je décide d'écrire le tome 2, alors c'est ce qu'on disait avec Aurélien, on a une passion commune pour les zombies. Et donc du coup, l'éditrice me poussait pour écrire le tome 2. Et je lui dis, OK, je fais ça, mais à condition que tu me laisses mettre des zombies dedans. Donc, j'obtiens mon droit à écrire le texte. Et je l'écris en 2019, et cette année, elle est vraiment très particulière parce que je ressens comme quelque chose d'assez oppressif. Et le besoin d'écrire ce texte, et le besoin de le clôturer avant la fin de l'année. Et donc je produis ce texte, je l'amène à l'éditrice, donc on est dans le bon à tirer en janvier 2020, et c'est là où arrivent les premières dépêches AFP sur le Covid. Et quand on a le bon à tirer... Je suis physiquement dans les locaux de l'éditrice le jour où Édouard Philippe annonce la fermeture des restaurants. Et là, vous avez un truc complètement bizarre qui est que vous devenez le personnage de vos propres bouquins. En fait, dans le tome 2, donc vous voyez sur les vaccins, j'étais passé à côté de la plaque en termes de prévision. Mais quand j'écris le tome 2 en 2019... dans le tome 2, le ressort technologique, parce que dans la science-fiction, pour que ça tourne, il faut qu'il y ait un peu d'invention technologique. Donc là, je me dis, qu'est-ce qu'on peut inventer? Et le ressort principal du tome 2, c'est une puce neuronale que l'IA qui continue à gérer la pandémie qui se diffuse. Donc c'est une puce neuronale que les géants du numérique nous proposent contre à peu près l'équivalent d'un SMIC. De nous auto-implanter, donc comme ça ils peuvent lire les pensées de nos pensées et puis derrière en déduire des campagnes marketing adaptées.
Et donc là, dans le rapport entre l'anticipation et le facteur temps, donc en 2019, c'est le moment quand j'écris des premières annonces d'Elon Musk sur Neuralink. Et on se retrouve en 2024 avec les premiers essais cliniques de Neuralink sur des personnes. Là, vous avez vu, il y a quelques jours. Et donc, du coup, ça veut dire que vous voyez l'espace-temps entre l'anticipation et le réel se contracte et se rétracte. Et il manquait dans le cheminement, parce qu'en fait, au fond, l'IA Sara qui gère la crise, c'est une espèce de super chatbot qui traite nos données, qui gère la pandémie. Et il me manquait, et franchement, je n'aurais pas su le penser. C'est ça qui, dans les livres, est peut-être le point le plus obscur ou le plus faible dans le travail d'auteur. C'est que l'IA Sara, elle est là, elle prend en charge la crise. Néanmoins, le cheminement technologique pour la voir advenir, j'aurais été incapable de penser au-delà de dire c'est une IA auto-apprenante, de super machine learning, de super deep learning, de réseau algorithmique profond qui s'autonomise. Ça, j'avais ce sentiment-là, mais le cheminement technologique par lequel on y va, je ne l'avais pas. Et en fait, ce cheminement, c'est peut-être un objet comme ChatGPT. Parce que vous avez tous compris, d'ailleurs, faisons un sondage, qui est utilisateur de ChatGPT dans la salle? Qui a déjà utilisé? Vous voyez, un bon tiers. Vous voyez, c'est l'outil informatique qui, dans l'histoire de l'informatique, se diffuse le plus rapidement. Il faut réaliser ça. Et vous avez tous compris, si vous êtes utilisateur d'objets de ce type, que le plus important, ce n'est pas du tout la réponse. C'est la question que vous posez. Parce que par les éléments que vous apportez dans la question, vous aidez le modèle à se réentraîner. Et en fait, c'est évidemment ça le point. La réponse, elle est intéressante pour vous, mais la question, elle est intéressante pour le modèle, parce que vous l'enrichissez. Et en fait, on verra si je suis démenti ou pas démenti, et j'espère l'être, franchement. Mais vous voyez, dans le cheminement par lequel on accède peut-être à une forme de conscience artificielle, c'est ça le titre du tome 2, c'est peut-être ça l'objet. Parce que si on se met à la place du programme informatique, quand vous lui posez une question, et bien en fait, vous lui envoyez un stimulus. Et en fait, si vous vous mettez à la place du programme, compliqué, hein, juste un instant, imaginez qu'à un instant T, vous recevez des millions de questions sur le même sujet, qui vous envoie en fait deux multiples stimuli et qui peuvent amener le cheminement, en tout cas c'est peut-être par là qu'on va, jusqu'au moment où finalement le programme se dira « mais pourquoi on me pose autant de questions sur le même thème ?» Et vous voyez, la question du pourquoi et la question du à quoi je sers, c'est le début d'un cheminement peut-être vers des objets de ce type. Et donc d'une certaine manière, vous voyez, là on arrive au stade où finalement le réel devance la capacité à l'anticiper. Et donc du coup, je me retrouve moi, et j'en finirai par là, pendant le Covid, confronté un peu au revival, déjà à cette expérience un peu bizarre de dire que je suis dépassé par le réel, l'idée de garantie humaine de l'IA qui est dans la fiction. Alors vous voyez, le réel, il est inquiétant, mais il est aussi positif, parce que l'idée de garantie humaine qui est dans le livre, on le retravaille avec l'équipe d'éthique IA, on le retravaille dans le cadre du forum, et ça devient un standard de régulation éthique positive. C'est devenu le principe de régulation d'IA. Vous voyez, le meilleur, le pire sont côtoyés dans le même sujet. Et donc moi, je me retrouve un peu confronté et on arrive directement, je pense, au cœur de votre question, à un moment où je constate mon incapacité à penser, ou plutôt la situation dans laquelle on est, dans laquelle finalement le réel va plus vite que la capacité à l'anticiper. Et donc là, je fais le retour je me dis, il faut, j'ai besoin d'une corde de rappel. Et donc j'ai fait le retour à Camus, donc c'est l'objet du troisième tome, où j'imagine une rencontre entre l'IA et Albert Camus, où l'IA retourne dans le passé en 1940, c'est un peu tortueux. Hein, et elle va échanger avec le jeune Albert Camus sur le mode « Est-ce qu'il faut nous sauver ?» Je peux le faire, hein, je peux vous sauver, c'est l'IA qui lui parle, mais il faut que tu m'en donnes l'ordre. Et si tu m'en donnes l'ordre, je vous sauverai peut-être, mais ce sera au prix de votre liberté. Et finalement, c'est ça sans doute la question centrale qui émerge, la liberté ou la survie.
Et donc on en arrive sans doute à ce moment-là. Et donc là, le texte, je l'ai sorti en 2022. Depuis, j'ai posé le stylo. Et d'une certaine manière, j'étais rattrapé par le réel applicatif et opérationnel. Et je me demande si c'est une bonne chose. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris mon point. Je pense que dans la science-fiction, elle est majeure pour réfléchir. Il ne faut sans doute pas trop la téléologiser. Peut-être ça produit du résultat si on ne la détourne pas de son objet, qui est d'abord la matière de création, et si par ailleurs le matériau fictionnel lui-même est repris dans des cadres de débat public comme celui que vous avez créé ici. Et voilà. Donc voilà pour ce premier partage, très très auto-centré, je vous prie de m'en excuser, mais quand même, c'est de la fiction et de sa réinterprétation par le Forum européen bioéthique que vient cette idée de garantie humaine de l'IA. Et peut-être que dans quelques années, on comprendra pourquoi. Voilà, merci de votre attention. On pourra en reparler tout à l'heure, d'autant plus que M. Jean-Noël Missa disait que finalement, l'intelligence artificielle n'avait pas du tout envie de prendre le contrôle. Donc, oui. Qu'est-ce qui est du vrai et du faux ? Et Aurélien va terminer déjà les présentations. Merci. Alors juste un petit mot pour David, hein. C'est-à-dire que quand finalement l'anticipation frise avec la préméditation, nous te sommes gré de poser ta plume pour avoir un petit peu de répit en termes de catastrophe naturelle. Alors moi, je vais prendre la parole déjà pour vous dire, à mon avis, par rapport à la question qui m'a été posée, moi j'aime bien répondre aux questions. Non, je pense que la science-fiction n'inspire pas la science. Je ne suis même pas vraiment convaincu que la science inspire la science-fiction. Je pense que la science-fiction est un art noble et dont les ressorts sont différents, mais je vais essayer de vous le démontrer à travers quelques exemples. Alors là, je parle au titre de deux identités distinctes. D'une part, le président du Forum européen de bioéthique. Je commencerai et je terminerai juste dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas une session du forum où à un moment donné on ne se dit pas « non mais là on est en train d'assister à de la science-fiction » ou alors on parle d'un sujet et d'un seul coup on bascule dans la science-fiction. Alors avec nos amis et collègues transhumanistes, parfois ça décolle très haut et très loin, mais quels que soient les sujets, les thématiques abordées, que ce soit l'intelligence artificielle, alors c'était un peu de la science-fiction à l'époque où David nous parlait de responsabilité humaine et d'éthique IA, puis ben, de temps en temps la science-fiction se réalise et on voit les projets sortir de terre, mais ça peut être l'édition génomique, mais souvent ce qui était plutôt de la science-fiction, c'était les évolutions de la société. C'est-à-dire, là, on est quasiment aux 30 ans des premières lois de bioéthique. Et ben là, au gré du forum et des soirées, nous nous sommes remémorés un petit peu les moments et les débats qu'on a pu avoir, que ce soit sur l'homoparentalité, sur la PMA, sur la GPA, sur le clonage, sur tout un tas de questions. Et à l'époque, on avait l'impression nous étions dans le présent. Et on avait l'impression de deviner ce qui allait advenir. Et en réalité, ben, on voit comment la société a évolué et comment est-ce qu'en fait, à travers la bioéthique, de temps en temps, on a vraiment les deux pieds dans la science-fiction. Je pose un peu ma casquette de bioéthique, je la reprendrai peut-être un tout petit peu à la fin, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la science-fiction. Et ça tombe bien parce que je suis un grand fan de science-fiction. Donc on va surtout parler de science-fiction. C'est un genre qu'on a quand même parfois du mal à caractériser. Alors il y a différents types de récits de science-fiction, alors on ne va pas tous les faire évidemment, et parfois les auteurs se chamaillent un peu entre eux pour savoir est-ce que c'est de la science-fiction ou pas. Bon, il y a les récits fantastiques, hein, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ou pas ? Ce sont des auteurs qui créent des univers, mais qui parfois permettent quand même d'aborder des éléments du réel et des problèmes de société. Il y a les dystopies dont on a parlé. Alors là, c'est là où on pousse le curseur de la réalité jusqu'à la butée et on voit un peu ce que ça donne quand on pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde. Il y a ce qu'on appelle également les uchronies. Alors moi, je vous conseille par exemple La Part de l'Autre. C'est Eric Emmanuel Schmidt qui imagine qu'Adolf Hitler a réussi à passer le concours des Beaux-Arts et dans lesquels ben voilà, on réécrit l'histoire au gré de ses inventions. Alors moi j'adore surtout, hein, je dois dire, les récits de science-fiction dans lesquels on s'intéresse à la science dure, à la science fondamentale, au voyage dans le temps, à l'atome, et j'adore les récits sur les ovnis.
sur la vie extraterrestre. Bon, ça, on pourrait être amené à en rediscuter. Par contre, je dois admettre que j'ai une certaine réticence vis-à-vis d'un certain genre, et ça vous étonnera peut-être pas, ce sont les récits d'anticipation. Les récits d'anticipation, c'est l'auteur qui se met justement dans la peau de celui qui va deviner comment ça va se passer. Il n'y en a pas tant que ça. C'est rarement, à mon sens, c'est rarement des chefs-d'œuvre. Et ils se plantent de manière assez systématique. Et ça, c'est un genre, qu'il soit cinématographique, ou qu'il soit littéraire, ou qu'il soit en bande dessinée, dans lequel j'ai plus de mal à me projeter, parce qu'on m'indique tout de suite qu'il y a vraiment une volonté de faire bien les choses. Et alors, on quitte un peu le domaine artistique pour essayer d'entrer dans le domaine de la science, et malheureusement, parfois de manière un peu pataude. Alors, je dois dire que si on doit faire une comparaison avec le réel, celui qui fait beaucoup d'anticipation, ben c'est Elon Musk en ce moment. Alors lui, quand il vous parle de puces implantées dans le cerveau, alors je sais bien qu'il déploie des milliards, quand il parle de voyage pour explorer Mars, j'ai l'impression, et puis le forum de biotique me permet de côtoyer des gens qui sont a priori qualifiés, et puis bon, avec ma formation de neurologue, j'ai quelques éléments aussi, on est vraiment dans de la science-fiction et dans de la mauvaise anticipation. Le problème, c'est que ben, y a déjà des gens qui se font implanter, donc c'est une mauvaise anticipation, mais qui risque de donner aussi un mauvais avenir. Donc là, c'est des questions qu'on doit être amené à se poser. Je voudrais quand même, avant de donner quelques exemples de science-fiction et puis d'essayer d'étayer un petit peu ma thèse initiale, qui n'est pas forcément la thèse attendue non plus, vous faire part d'une réflexion autour justement de cet engouement, de cette passion qu'on a pour la science-fiction. C'est quand même hyper étonnant. Par exemple, les extraterrestres. Alors moi, j'adore, je veux dire, je ne sais pas pourquoi, mais quand il y a un film qui sort sur les extraterrestres, il faut que je le regarde parce que ça me passionne. Il y a une littérature sur les extraterrestres et les ovnis qui est foisonnante. Il y a un art pictural, bande dessinée, des dessins animés, de la musique, des albums. Enfin, il y a des millions et des millions de dollars qui sont investis dans des super productions pour parler des ovnis, et à mon plus grand bonheur. Mais on n'a jamais eu le début du commencement d'une once de preuve de quoi que ce soit. C'est-à-dire que on est tous en train de rêver à cette vie extraterrestre, mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est-à-dire si... Je vais vous dire d'ailleurs le problème autrement. Imaginez, on va faire un peu de science-fiction. Imaginez que dans l'instant, on vous apporte la preuve formelle qu'il y a des extraterrestres qui arrivent autour de la Terre. Mais est-ce que vous imaginez seulement une seconde le bouleversement que ça serait ? Le bouleversement à tous les niveaux de la société, des croyances religieuses, des croyances scientifiques, ce serait un effondrement quasi total de toutes nos croyances et de toutes nos certitudes. En réalité, la science-fiction, elle est très présente dans notre quotidien, mais que ce soit pour les ovnis, que ce soit pour les fantômes, que ce soit pour les expériences de mort imminente, que pour la vie après la mort, pour toutes ces choses-là, pour l'intelligence artificielle, on est passionné par quelque chose dont on n'a jamais et dont on n'aura probablement jamais une quelconque preuve. Pourquoi s'intéresser, pourquoi se passionner finalement pour ce qui n'existe pas et n'existera probablement jamais. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être à la fin, on pourra avoir une idée. Donc je vous rappelle que mon hypothèse principale, c'est de dire que la science-fiction, en tout cas, ne nous dit rien de l'avenir. Alors, parfois, on a des gens inspirés, mais là aussi, on pourra en rediscuter. Comment ça se fait qu'émerge à ce moment-là cette idée dans l'esprit fertile de David ? On pourra en rediscuter. Mais en tout cas, il me semble, et ça paraît relativement logique, qu'il n'y a aucune... C'est toi le neurologue. En tout cas, il me semble qu'il n'y a aucun germe de prédiction dans un bon livre de science-fiction. Mais ça aussi, c'est pas tout de le dire. Et je vais essayer de vous l'étayer avec un certain nombre d'arguments. Donc non seulement ça ne dit rien de l'avenir, mais par contre, et c'est ça qui est important, je pense que ça nous dit énormément de notre présent et de notre passé. Donc la science-fiction n'est pas un art pour révéler l'avenir, mais plutôt au contraire, un art pour nous révéler le présent et nous révéler des éléments du passé. Par ailleurs, je pense que c'est, quand on est un peu rationnel et quand on essaye de pas quitter le champ de la matérialité, on peut être tout à fait étonné par le pangolin, hein, ça je suis parfaitement d'accord, mais au demeurant, ça va être, notamment pour le pangolin, parce que pour la pandémie, je pense que les ressorts sont différents pour quelqu'un qui a travaillé dans le milieu hospitalier et dont on sait que c'est quelque chose qui devait arriver à un moment donné, c'était le fruit du hasard.
Personne aujourd'hui et personne par le passé n'a été doté, à l'instar de Nostradamus, d'un quelconque don pour pouvoir connaître l'avenir. Et puis surtout pas des cinéastes, Stanley Kubrick, surtout pas des auteurs qui étaient parfois n'y connaissaient pas grand chose en science. Personne n'a le don de savoir ce qui va se passer à l'avenir. Donc ça paraît bête de le dire, mais c'est pour vous expliquer qu'évidemment rien ne peut justifier qu'un élément littéraire ou cinématographique puisse avoir une quelconque influence sur comment les choses vont advenir, surtout que ce ne sont pas des gens de l'art. Les gens qui font des films sur l'intelligence artificielle ne sont pour la plupart pas des codeurs ni des programmeurs. Ce sont des gens qui infusent dans une société et qui vont avoir des idées. Donc maintenant, simplement, je vais vous donner quelques exemples pour essayer de détailler mon propos. Est-ce que vous en serez convaincu ou pas ? Je ne sais pas. Dans les exemples de science-fiction, bien sûr, on en a parlé un peu plus tôt, il y a 1984. Hein, quand on parle d'intelligence artificielle, de surveillance, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce chef-d'œuvre de George Orwell qui a été écrit un peu avant le début des années 50, où effectivement, on se dit, mais alors là, c'est incroyable quand même de deviner ce qui pouvait advenir de l'ordre de la surveillance, des notes sociales qu'on peut voir en Chine ou au Japon. Est-ce que George Orwell est doté d'un esprit supérieur qui est capable de voir ce qui va advenir ? Évidemment, je pense que non. Et on en a un bon exemple avec l'état de notre société, parfois plutôt transatlantique, sur ce que veut nous dire peut-être en réalité George Orwell, et qui est peut-être plus passionnant encore que de nous dire comment les choses pourraient évoluer. Ce que nous dit George Orwell, c'est, il nous dit qu'au moment où un état devient totalitaire, eh bien la notion de vérité est une notion qui va devenir plus relative. Et quoi de plus vrai aujourd'hui, quand on voit l'effet Trump, de dire ben voilà, l'ère de ce qu'on appelle la post-vérité, c'est peut-être ça le vrai bijou qui est dans 1984. C'est pas de dire qu'il va y avoir du Big Brother qui va nous regarder, ça veut dire simplement qu'à partir du moment, et c'est peut-être un stigmate du totalitarisme, hier, aujourd'hui et demain, un intangible de la société que nous décrit George Orwell, qui est de dire, bien à partir du moment où vous avez un despote au pouvoir, un état totalitaire, eh bien on va avoir le contrôle sur plein de choses, on va surveiller plein de choses et on va pouvoir créer notre propre ministère de la vérité. C'est pour vous donner un premier exemple. Un deuxième exemple, 2001, Odyssée de l'espace. 1968, Stanley Kubrick, tout le monde le connaît, la musique de départ. Ça ressemble un peu à la planète des singes, puis on se retrouve, je crois que c'est derrière la face cachée de la Lune, ou je ne sais plus où, dans l'espace, c'est magnifique, il y a de la musique. Et puis on découvre HAL 9000, cette espèce d'ordinateur qui, d'un seul coup, nous projette, nous, contemporains d'aujourd'hui, dans « Oh là là, mais c'est de l'intelligence artificielle, mais Stanley Kubrick est-il doté d'un don qui lui permet de deviner l'avenir ?» C'est quand même incroyable d'être à ce point-là, lucide dans ce que va devenir la société. Je pense que Stanley Kubrick est un génie, hein, c'est un génie. Mais bien évidemment, ce n'est pas un génie devin, c'est un génie qui lui aussi infuse dans la société. Alors, c'est une petite anecdote, mais je trouve qu'elle est révélatrice. Si vous prenez HAL, hein, donc c'est l'acronyme de heuristique, algorithme, compute, je ne sais plus, enfin c'est l'acronyme de l'ordinateur. Si vous prenez dans l'alphabet une lettre avant le H, une lettre avant le A, une lettre après, vous aurez IBM. Tout simplement, Stanley Kubrick évolue dans son monde, c'est un brillant observateur, il arrive à mettre en abîme ce qu'il pense être important dans la société, et bien voilà qu'il parle de la révolution du numérique, dont on n'a pas cessé de parler depuis le début, et il fait des projections, certes, mais des projections dont il n'est pas le premier à parler, mais il va les mettre suffisamment en valeur, il va les sublimer, et donc là aussi, la science-fiction nous parle finalement du présent, et certainement pas de l'avenir. Un autre exemple, bon, j'en ai quelques-uns, mais ça ne sera pas très très long, hein. Alors je ne sais pas si parmi le public, les gens connaissent peut-être le neuromancien, de William Gibson, qui est paru juste après Blade Runner, qui est probablement le livre qui a inspiré Matrix, et dans lequel, là aussi, on peut se demander, bon, c'est un grand, grand classique de la science-fiction, on peut se demander à quel point est-ce qu'il n'est pas extraordinairement précis dans sa lecture de l'avenir.
Il décrit un univers cyberpunk avec un capitalisme effréné, des drogues de synthèse, des êtres humains qui se relient régulièrement à la machine avec des casques Apple Vision Pro, 3 500 $, vente à pas aux États-Unis uniquement, avec un environnement numérique, que ce soit la Matrice, que ce soit l'Oasis de Ready Player One, avec des cow-boys qui sont des pirates informatiques. Je crois même que c'est lui qui a inventé le terme de pare-feu, qui est encore repris aujourd'hui pour parler de certains éléments d'informatique, avec des antivirus, enfin, quelqu'un dont on peut se dire il a créé l'avenir, ou il l'a lu quelque part dans le marc du café. En réalité, quand j'ai fait cette recherche sur cette thèse-là, qui était de dire, bon ben, puisque ça ne nous parle pas du futur, c'est que ça nous parle forcément du présent, et puisque moi-même je suis un assez grand fan et du neuromancien et de Matrix, parce qu'en matière de neurologie, ce sont des exemples qu'on utilise régulièrement, je me suis dit, mais quand même, le neuromancien, soit il l'a inventé, soit il devait être dans une société où les choses infusées. Alors, partant de ce principe, rétrospectivement, je me suis dit, bon, mais en fait, à quoi ça me fait penser le neuromancien ? J'ai tout de suite pensé à l'homme neuronal de Changeux. Et je suis allé voir quand est-ce qu'il avait paru. Et là, j'ai vu que le neuromancien, c'était 84, et que l'homme neuronal, c'était 1983. Donc là aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bien sûr qu'il ne s'est pas inspiré, j'imagine qu'en termes de délai de publication, mais il était dans une société où on était en train de découvrir que oui, l'être humain était aussi un assemblage de neurones, qu'il était un assemblage de potentiels d'action qui passent, qui ne passent pas, de 0, de 1. Et finalement, il a évolué dans une société où on était en train de voir qu'il y avait une comparaison tout à fait incroyable et une possibilité d'hybridation entre l'homme et la machine, puisque l'homme perdait doucement ses attributs divins pour entrer dans le royaume de la matérialité et de ses bassesses neurologiques. Un autre exemple qui m'a été donné hier en discutant avec Serge Tisseron, que je salue, c'est Astro le petit robot. Vous connaissez Astro le petit robot ? Je ne me suis jamais posé la question, hein, mais Astro le petit robot, moi j'ai grandi avec. Je pourrais vous chanter la chanson, mais je vais éviter. Et Astro le petit robot, parce qu'aujourd'hui les robots qui sortent, et là on a discuté avec Monsieur Paré, qui est un artiste roboticien qui était présent à la table ronde, qui nous expliquait que les plus grands géants de la robotique au Japon s'inspiraient encore du modèle d'Astro pour... Alors là aussi, est-ce que Astro, ça nous dit quelque chose de l'avenir ? Moi je me suis posé la question, pourquoi pas ? En réalité, ce que m'a expliqué Serge Tisseron, et je dois avouer que je vois Astro le petit robot d'un œil très différent depuis hier soir, c'est qu'en réalité, Astro, le petit robot, là aussi, ça voulait dire quelque chose dans la société dans laquelle a infusé, je ne sais pas comment s'appelle le créateur d'Astro, mais il faut s'imaginer qu'au Japon, après la guerre, les adultes avaient donc perdu la guerre et finalement étaient disqualifiés dans leur rôle d'adulte. Et qu'en fait, la rédemption, le héroïsme, la force ne pouvaient venir que de l'enfant, raison pour laquelle Astro est un enfant. Et donc là aussi, vous voyez bien que nous, avec nos yeux contemporains, on va imaginer que là encore, c'était une idée de la robotique, de la cybernétique, quelque chose de très précurseur. Mais en réalité, là où Astro était extraordinaire, c'est qu'il nous a dit quelque chose de la société japonaise dans laquelle est né ce mythe-là. Donc merci Serge, parce que c'était, je trouve, un argument qui allait tout à fait dans le sens que je voulais dire. Et puis pour terminer... il me semble que pour revenir un petit peu à l'intelligence artificielle, les mythes autour de l'intelligence artificielle, les récits de science-fiction sont très anciens et nous disent toujours quelque chose qui est une question fondamentale de l'être humain. C'est ce qu'on appelle le problème corps-esprit. Si nous avons créé des religions, si nous avons créé des mythes, c'est tout simplement parce qu'il est impossible pour nous, êtres humains, pour nous, cerveaux, d'imaginer que nous ne sommes qu'un amas de cellules dont la finitude est absolument certaine. Et donc, que ce soit le golem, que ce soit les zombies dont je partage, alors je pense que pour les neurologues, le mythe du zombie est absolument extraordinaire parce que c'est un corps qui à la fois est mort mais qui vit et qui a besoin de se nourrir de quoi ? Du cerveau. Le zombie se nourrit du cerveau des gens parce que lui-même en est un peu dépourvu. Donc c'est un mythe qui nous parle
totalement d'intelligence artificielle, de nos craintes vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et je crois que dans ce sens-là, c'est encore un moyen de dire que le récit fictionnel, la science-fiction, nous dit quelque chose toujours de notre présent. Et lorsque l'œuvre frise au chef-d'œuvre, c'est que vraiment l'auteur a tapé très très juste. Donc j'en viens à ma conclusion, vous l'aurez compris, je ne crois pas que la science-fiction façonne l'intelligence artificielle ou de manière plus générale l'évolution technologique. Je pense que la science-fiction invente parce qu'elle ignore et qu'elle désire savoir, qu'elle se trompe là aussi parce qu'elle ne sait pas tout, mais elle nous enchante parce qu'elle nous fait rêver, elle nous instruit parce qu'elle nous parle de nous, de notre présence au monde, mais aussi de notre passé. Elle décrypte le réel pour le rendre plus accessible à notre compréhension, et je pense que c'est le rôle de la littérature que de décrire le réel avec des outils qui ne sont pas forcément des outils scientifiques. Moi, quand je veux expliquer à des étudiants ce qu'est une crise d'épilepsie, je passe une demi-heure à parler de Matrix, parce que Matrix le fait mieux que les manuels d'épileptologie. Donc le rôle de la littérature, le rôle de la poésie pour décrire le monde avec des outils qui ne sont pas limités par la rigueur scientifique, qui ne peut pas tout expliquer de manière explicite. Donc finalement, si je devais avoir juste une conclusion, je dirais que la seule manière d'appréhender vraiment l'avenir et de se poser les questions, ben, c'est de faire de la bioéthique. Donc finalement, la science-fiction, c'est affaire de création. J'ai vu que David avait besoin de, enfin, avait envie de réagir, en tout cas, à la... Je trouvais que la démonstration d'Aurélien était vraiment très, 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 très convaincante. C'est finalement le rapport à la création. Une création est un construit qui émerge d'une société déterminée à un moment déterminé. Et effectivement, je partage ton regard sur la partie... finalement le sous-genre de la littérature d'anticipation. Effectivement, c'est mieux d'avoir des gestes créatifs soient purs. Et puis après, de l'autre côté, vous avez, mais là, peut-être pour ouvrir le débat, ce qui est intéressant, il y a un angle qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est que dans la technique, les concepteurs de systèmes d'IA ou ceux qui y réfléchissent sont parfois eux-mêmes forger des concepts de proto-SF ou méta-SF. Par exemple, vous avez dans la chaîne de l'évolution de l'IA entre Minsky et Turing d'une part, et entre John Holland et David Goldberg, qui sont les premiers à avoir forgé les algorithmes auto-apprenants, le machine learning dans les années 80-90, vous avez tout un courant qui a émergé et qu'on a appelé le courant que les informaticiens eux-mêmes ont appelé le courant de l'artificial life. Vous voyez, ça fait très concept de science-fiction. Et en réalité, ils ont forgé ces notions à partir d'un travail très très empirique sur ce qu'on a appelé à l'époque les automates cellulaires. Vous en avez sûrement entendu parler, les premiers ont été forgés par un informaticien qui s'appelle Von Neumann, et l'automate le plus cellulaire le plus célèbre, c'est le jeu de la vie de John Horton Conway. C'est un système d'un plan en 2D dans lequel, en fait, John Neumann dit bon, ben, les programmes informatiques, les pings qui vont se développer, on va appeler ça des cellules et on va utiliser un système informatique, on va analyser un système informatique auto-entretenu avec des cellules qui, au fil de leur évolution, s'activent et se désactivent. Et on rejoint ce que tu traitais et qui est fondamental, Aurélien, qui est le sujet corps-esprit, c'est-à-dire qu'a émergé de la part des informaticiens un appel à un métalangage issu du corps qui a irrigué la science-fiction sans doute. Et vous y avez peut-être jamais réfléchi, mais quand vous utilisez un tableur Excel aujourd'hui, ça vient de là aujourd'hui. La brique du tableur, c'est une cellule. Et en fait, c'est un emprunt métaphorique au champ du vivant. De la même manière que quand David Goldberg écrit son ouvrage fondamental sur le machine learning, à l'époque, ces premières générations d'algorithmes auto-apprenants, il n'y a pas réellement de concept de science informatique pour les décrire. Et donc du coup, il invente un synonyme qui est toujours utilisé aujourd'hui, qui s'appelle l'algorithmique génétique, genetic algorithms.
Et en fait, il dit la chaîne, le Z de 0 et de 1, c'est finalement assez proche d'une séquence ADN, et un algorithme qui évolue, c'est comme si l'algorithme lui-même connaissait une mutation de son code. Donc ce petit détour pour vous dire qu'effectivement, les deux faisceaux se rejoignent. Vous avez des auteurs de science-fiction qui sont à des années-lumière de la technique, et des techniciens qui eux-mêmes ont besoin d'un méta-langage qui se recoupe sur le sujet finalement corps-esprit que tu traces, et on arrive aux mêmes problématiques par des cheminements différents, de par la création, de par la technique. Jean-Noël Missa, un petit mot. Moi j'étais très, très impressionné par le récit de David, en particulier quand il nous a expliqué qu'il est devenu héros de son propre roman. Donc j'ai été impressionné par ça. Sinon, je suis assez d'accord avec la thèse d'Aurélien. Je pense qu'il faut... Les ouvrages de science-fiction sont avant là pour notre plaisir, mais peuvent naître faire naître des vocations. Moi, je reviens à Gilles Bérotois qui, s'il est devenu bioéthicien, c'est grâce, ici, s'est intéressé à la philosophie de la technique, c'est par la lecture de la science-fiction. Quand il était jeune, il lisait Stanislas Lem et d'autres auteurs, et son savoir scientifique, lui qui a une formation de philosophie de classique, philologie classique, ou plutôt philologie romane, son savoir scientifique venait de la lecture de science-fiction, d'ouvrages de science-fiction et d'ouvrages de futurologie. Et il considérait à la fin de sa vie que la science-fiction pouvait être un outil heuristique pour la bioéthique, à mesure où, à travers les œuvres de science-fiction, on avait différents scénarios sur l'avenir, donc ça pouvait nous aider à réfléchir. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où, comme il le disait lui-même, le futur est opaque, mais enfin, ça peut néanmoins nous aider un petit peu. On va passer aux questions du public. Je vais m'arroger le plaisir de la première question qui s'adresse à David Greuzon. Tu nous as expliqué la filiation entre ta posture de directeur d'un hôpital confronté à une épidémie redoutable ou considérée comme telle, et le lien qu'il y a avec le livre Sarah. Ma question est la suivante. Si demain tu étais directeur d'hôpital et que tu sois confronté à nouveau à une épidémie, est-ce que tu aurais les mêmes réactions? D'autres termes, est-ce que la science-fiction en retour peut influencer l'humain? C'est une très bonne question, mais j'en reviens au ce qui est peut-être là, on le sent, et Jean-Noël vient d'enrichir le point de vue, quelque chose qui est partagé sur cette table avec laquelle vous pouvez être en désaccord, c'est que je pense si le travail fictionnel dans Sarah a produit quelque chose, et ce qu'elle a produit, c'est le principe de garantie humaine, dont je ne revendique aucune paternité, parce que si l'idée qui était posée dans le livre n'avait pas été réinterprétée par d'autres, élargie, retravaillée, jamais il y aurait eu le cheminement jusqu'ici. S'il n'y avait pas eu le Forum européen de bioéthique, il n'y aurait pas le principe de garantie humaine dans le règlement européen sur l'IA. Mais je pense que si le travail fictionnel a produit ce qu'il a produit, c'est précisément parce qu'il n'était pas téléologisé. Que quand j'ai écrit le livre, je ne me suis pas dit, tiens, ça va être un super truc, un super manuel de gestion de crise pour la prochaine. Ce n'était vraiment pas ça le propos. Et de ce point de vue-là, je vous renvoie à des travaux que le ministère de la Défense a initiés. Intéressant à regarder. Les travaux dits Red Team. Et en fait, le ministère de la Défense a recruté, le fait depuis 3-4 ans, des équipes d'auteurs de science-fiction. En posant des thématiques de réflexion, mais en laissant les auteurs, et je connais l'une d'entre elles, donc je peux en témoigner indirectement, une totale liberté de création sur des thématiques qui sont abordées. Et je pense que le travail n'est fécond, vraiment, que si on ne le théologise pas.
si on ne détermine pas l'arrivée avant d'avoir fixé le point de départ, et qu'il ne faut pas confondre les autres, l'ordre des choses. En revanche, si on suit la thèse d'Aurélien, et là je veux bien y souscrire vraiment, sans doute j'étais déjà moi-même dans un substrat de gestion de crise. Il y avait la formation de base sur la partie tech qui fait que si j'ai pu être en adhérence avec quelque chose qu'il y avait dans la société ou qui émergeait dans la société à ce moment-là, ça sortait pas de nulle part. Mais en tout cas, c'est ça le réflexe. Et si je devais retenir un principe opérationnel, c'est que ce qui, dans cette gestion de crise-là, m'avait aidé et ce qui a fait que l'idée est sortie du livre pour revenir dans le réel, c'est la collégialité. Le débat collégial à l'échelle d'un établissement, jamais décidé seul quand on est dans ces situations de crise, s'entourer de conseils, et la vertu du débat public bioéthique que vous incarnez. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Quand on parle de science-fiction et d'IA, ce qui a été évoqué, ce dont on parle souvent, ce qu'on craint souvent, c'est l'IA qui nous remplace, l'IA qui a une conscience, etc. Et en fait, je me demande si, au fond, est-ce que c'est tellement terrifiant ? Parce que ce que ça remplace, c'est quoi ? C'est l'homme qui est avide de pouvoir, de son plaisir personnel et immédiat. C'est les guerres, c'est les inégalités, c'est la destruction de la planète. Moi, parfois, je serais assez content de confier mon sort à une IA qui est complètement désintéressée, à condition qu'elle soit bien programmée par quelqu'un de désintéressé. Mais voilà, qu'en pensez-vous ? Qui commence ? Non, mais je veux bien me lancer. Il y a plusieurs choses dans votre question, parce qu'il y a l'idée d'une IA consciente, et puis il y a l'idée d'une IA qui prend les commandes. C'est pas tout à fait la même chose. Disons que la réponse à votre question dépend aussi de votre sensibilité philosophique et éthique. Et ce matin, on a parlé du principe responsabilité d'Anne Jonas, qui est plutôt inquiet par rapport à l'émergence de nouvelles technologies, et qui dit, enfin de mémoire, agit toujours de telle façon à maximiser la possibilité d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Donc ça, c'est une certaine vision du monde, qui est une vision du monde, disons, plutôt bioconservatrice. Et à cette vision du monde, on peut opposer celle des penseurs long-termistes, donc des gens qui aujourd'hui dirigent ces sociétés d'IA comme Musk, Bezos et d'autres. Et donc leur principe pourrait s'énoncer ainsi, donc c'est moi qui l'imagine, mais en me basant sur leur philosophie, agit toujours de telle façon à maximiser la préservation, la possibilité d'une vie authentiquement humaine ou trans-post-humaine sur Terre et dans le cosmos. Donc vous voyez, on est dans des visions du monde tout à fait différentes. Et je pense que moi, je ne partage pas l'idéal des long-termistes et des transhumanistes, mais je pense que si on pense à très long terme, ça a un certain sens. Ça a un certain sens, y compris la notion de conquête spatiale, même si c'est pas pour demain. C'est mon ami et collègue Gilbert Toi, que j'ai décidément souvent cité cet après-midi, c'est un peu de nostalgie, avait l'habitude de lui aussi était d'ailleurs transhumaniste contrairement à moi, et dans un de ses ouvrages, sans doute un des plus connus et un des plus profonds, Le signe la technique, il aimait poser une question philosophique qui d'une certaine façon fait penser à cette philosophie long-termiste. Et cette question, c'est qu'en sera-t-il de l'homme dans 5 millions d'années ? Et il savait très bien qu'il n'y avait aucune réponse possible à cette question. Donc, pour répondre à votre question précise, je dirais que
Si on adopte une philosophie transhumaniste, et encore au sein du transhumanisme, il y a des courants très différents, par exemple celui de James Hughes. James Hughes est un philosophe américain transhumaniste qui a contribué à fonder l'Association mondiale du transhumanisme avec Bostrom. Il écrit un bouquin qui s'appelle Citizen Cyborg. Et dans cet ouvrage, il y a une coexistence pacifique entre des humains et d'autres entités qui sont des entités artificielles, mais qui deviendraient conscientes. Et donc voilà, c'est un monde baroque, et moi j'ai toujours été en faveur de monde baroque, même si peut-être que ce futur ne se réalisera jamais. Juste une votre question est majeure parce que elle renvoie à la possibilité qui s'offre à nous de possiblement renvoyer à l'IA les sujets qu'on ne veut pas arbitrer. Et imaginez une IA à qui on pourrait confier les clés du camion pour régler le sujet du réchauffement climatique. On lance un programme qui prend toutes options pour nous aider à survivre. Elle prendrait les décisions sans doute qu'on ne sait pas prendre. Donc effectivement, vous avez raison. Dans une certaine mesure, cette formule-là qui ressemble beaucoup, vous voyez, à Ulysse qui s'accroche au mât pour ne pas entendre le chant des sirènes. C'est-à-dire qu'il il s'accroche au mât et la trajectoire du bateau est fixée indépendamment de lui parce qu'il sait que sa volonté est fragile et friable. Et donc, du coup, c'est un meilleur chemin de s'en remettre à une rationalité externe et sans affect pour aller là où il faut aller. Mais il faut vous. Et en fait, vous voyez bien l'ambivalence du sujet. C'est quelque part entre le renoncement à toute volonté humaine pure et de l'autre côté l'acte de volontarisme absolu par lequel je renonce moi-même à ma volonté. Mais vous comprenez que c'est très dangereux, en tout cas que ça se manie avec une extrême précaution, mais c'est une formule dont on voit la séduction dans un contexte où on remet toujours au lendemain ou au plus tard les sujets les plus épineux à trancher, sur lesquels l'IA demain viendra sans doute en coupe plus directe. Bonjour à tous. Ma question va être extrêmement simple. C'est aujourd'hui, on a déjà des auteurs et autrices qui font appel à l'IA pour écrire des romans, et on pourrait très bien imaginer des romans de science-fiction également. Donc, dans quelle mesure l'IA va changer le rôle de l'auteur, à savoir que l'IA sera à la fois un sujet du roman, mais également un outil qui a permis de le construire, dans quelle mesure cette boucle serait un petit peu finalement un comble, et comment l'auteur pourrait faire avec? Alors, assez récemment, il y a quelques jours, Amazon a mis en place une nouvelle règle pour les Kindle, pas plus de 2 livres par auteur et par jour. En fait, c'est une règle qui a été mise en place pour essayer de lutter contre la surabondance de livres ou de faux livres générés par intelligence artificielle. Alors, pour avoir déjà utilisé un petit peu l'IA générative pour essayer d'avoir des textes, mais que ce soit aussi pour des images, je crois que c'est très décevant. Maintenant, si vous demandez à l'IA de vous faire un scénario type qui se passe sur la Lune avec de l'action, des personnages adjuvants, un grand méchant, un rebondissement et un happy end, probablement qu'il est capable de vous générer le scénario d'une série Netflix, si avec un bon metteur en scène derrière qui a les moyens, pourra en faire quelque chose, tout à fait. Peut-être aussi, et c'est le cas pour notamment un auteur qui avait gagné un prix, il y a eu un point de départ, une étincelle d'un sujet proposé par ChatGPT. Là, on est déjà beaucoup moins dans quelque chose de problématique. C'est une manière de s'inspirer. Il y a des gens qui peuvent aussi décider d'ouvrir un livre au hasard, de prendre un mot et de décider d'écrire quelque chose à partir de ce mot-là. Donc tout dépend la manière dont c'est utilisé, mais pour effectivement avoir eu, avec Maud ici présent, une activité d'écriture romanesque récente, je peux vous assurer que le travail d'écriture, de réécriture, de table rase, de recommencer, d'enlever à moitié des... Enfin, c'est un travail qui, pour l'instant, en tout cas, ne peut pas être effectué par une intelligence artificielle, ou en tout cas, qui ne va pas raconter la même chose, qui peut raconter quelque chose de froid, d'extérieur, certes avec des rebondissements, peut-être même capable de pouvoir susciter une émotion, un rire ou une larme, mais ça sera quelque chose qui ne raconte pas quelque chose de vrai. Et ça, j'ose croire,
qu'il y a une différence encore qui existe entre un récit réel, ce qu'a écrit David, qui est le fruit de son expérience, qui est le fruit de ses bonnes et de ses mauvaises expériences, parfois même d'éléments qui ne sont pas toujours conscients. Ben ça, je crois que j'ose espérer en tout cas que le lecteur ou le spectateur, selon le média utilisé, pourra implicitement ou même sans le savoir faire la différence entre les deux. Mais évidemment, alors par contre, pour les IA, pour les images, ça peut être assez intéressant. Moi, je sais que j'utilise parfois, c'était Midjourney, je crois, et que là, je suis en train de plancher sur un roman de science-fiction et j'ai fait mes différents personnages sur Midjourney. Et du coup, ben sur mon bureau, j'ai des photographies de personnes inventées par l'intelligence artificielle, mais qui me permettent de représenter un personnage. Donc je crois qu'il faut se laisser ouvert, il faut rester ouvert à la possibilité que l'intelligence artificielle puisse être un starter, puisse être une aide. Mais je crois que laisser complètement à l'intelligence artificielle le soin d'écrire des scénarios ou d'écrire des romans ou de faire des tableaux, on risque peut-être en tout cas d'être dessus, ou en tout cas que ça n'est pas la même fertilité dans le cœur de celui qui regarde ou qui lit ou qui observe l'objet. Jean-Noël Missa. Oui, enfin, on pourrait aussi imaginer, mais c'est une expérience de pensée, on pourrait aussi imaginer, parce que là on est très pessimiste par rapport à l'IA, on se dit l'IA peut servir de start-up pour un roman, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une IA écrire un chef-d'œuvre de la littérature? Et donc ce serait un peu le test de Turing de la créativité. Donc imaginons, je ne sais pas, Google DeepMind ou OpenAI qui, grâce à un système artificiel intelligent, écrit un roman. Évidemment, ce roman serait défendu par une personne humaine, un peu comme Gary l'a fait avec le personnage d'Émile Ajar. Donc c'est une sorte de subterfuge, mais pour assurer en fait le double aveugle. Et donc le jury du prix Nobel ou un jury, disons, du Pulitzer ou un Goncourt, un jury du Goncourt, attribuerait le prix Goncourt, disons, 2025 à un roman rédigé par une IA. Je pense que c'est pas une impossibilité. Alors, je ne sais pas. Alors, moi, je souhaite pas cela non plus. Et donc, sans doute que c'est moins. Si on sait que c'est une IA, on lira peut-être avec moins d'enthousiasme. Mais est-ce que une IA est capable d'écrire sans tant de solitude? Ou je pense que c'est pas impossible, à vrai dire. Il y a déjà des photographies qui ont été promues. Donc effectivement, il y a possibilité on avait quelqu'un hier qui nous racontait que c'était plutôt au début de l'intelligence artificielle, quand elle faisait encore des fautes avec des brumes, des spumatos, des mains tordues, que c'était peut-être le plus inspirant encore, que les erreurs finalement de l'intelligence artificielle étaient encore plus sublimes et donnaient des éléments plus jolis. Mais par exemple pour le forum de bioéthique, les visages que vous pouvez voir sur les affiches sont des images qui ont été complètement générées par intelligence artificielle. Donc oui, il y a probablement possibilité de faire des choses qui touchent. Dernière question. Oui, j'ai une question assez simple. Quand j'étais petit, je lisais pas mal de BD de science-fiction et il y avait un thème récurrent, c'était que les humains créaient des robots qui se révoltaient contre eux et c'était la guerre et ils risquaient d'anéantir l'espèce humaine. Alors, je me dis, avec la thèse d'Aurélien, que dans le fond, la science-fiction nous apprend quelque chose sur ce que nous sommes. Pourquoi ce thème, enfin, vous avez une idée, pourquoi ce thème est récurrent, des robots, enfin, des créations humaines qui se retournent contre les humains eux-mêmes? C'est pour l'essentiel la crainte vis-à-vis du progrès, la crainte de l'inconnu. Et cette peur-là, elle est ancestrale, elle prend une forme plus incarnée dans la technique, parce que c'est le substratum qui permet aujourd'hui d'abriter ces craintes face à la technologie. Et donc c'est, mais en même temps, cette crainte ou cette appréhension, il ne faut pas la mépriser. Néanmoins, c'est sûr que dans la littérature de science-fiction, on trouve moins de travaux qui vont essayer de regarder la machine telle qu'elle est, en essayant de la dégager d'une analyse de nos propres craintes. Et c'est compliqué parce que là on est immergé dans l'humain. Si je devais vous donner deux références ou deux conseils, donc là on arrive sur la matière plus filmique ou audiovisuelle. Pour moi, les deux objets qui ont ce plan de coupe
très, évidemment c'est de la fiction, avec de la fiction aussi à spectacle, mais qui ont un plan de coupe un peu plus rationaliste. Je vous recommanderais Westworld, qui est la série de Jonathan Nolan, qui pour moi est le meilleur objet analytique en fiction sérielle des interactions homme-machine sans prédéterminé de cheminement ou d'intention. Et puis un petit film qui est de 2014 de David Garland qui s'appelle Ex Machina, qui est un superbe objet de rapport ou de dialogue créateur-créature à la lumière de l'IA. Mais là, ce segment-là, j'analyse l'objet artificiel tel qu'il se développe sans y mettre de prédétermination en fonction d'une analyse de nos propres craintes, il faut le chercher un peu plus. Et puis je rajouterais juste que quand on est adolescent, mais peut-être pas seulement, l'envie de se révolter contre ses créateurs est peut-être quelque chose d'assez universel. Bonjour. Petite question pour Monsieur Benoît Hylide sur la question de la science-fiction et ses capacités à prédire. Il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, que dans la science-fiction, il est plutôt question des techniques fiction. Dans ce que je connais comme science-fiction, il n'est pas question des théories scientifiques, etc., mais d'artefacts modernes, nouveaux, qui modifient la relation de l'être humain au sein de sa société humaine, et que du coup, là, il y a des scénarios qui sont explorés et que certains vont avoir plus de probabilités que d'autres. Et que donc on est dans des projections statistiques pratiquement qui peuvent, pour certaines, être les bonnes, bingo, et il y a quelque chose de prédit. Mais je crois que la fascination viendrait de comment nos pulsions de vie, de mort, etc. seraient impactées par ces technologies. Qu'en pensez-vous ? Il y a juste une deuxième question et puis je me permettrai de répondre au moins à ça. Bonjour. Ok, bon. Bonjour, c'est une question pour Monsieur Gruson. Je voulais savoir si le tome 3 de Sarah s'inspirait ou faisait référence au mythe de Sisyphe, du coup, de Camus et du rapport à l'absurde. Enfin voilà, quand vous en avez parlé, moi j'ai tout de suite pensé à ça. Et donc voilà, c'est une question de la fin méga longue, mais voilà. Alors, sur les aspects de science-fiction, et notamment effectivement des grandes odyssées où il est question d'artefacts, je pense que ce sont des paris. Moi, je trouve toujours que c'est d'autant plus intéressant que c'est assez peu réaliste ou que ça ne se veut pas réaliste. Par exemple, là, je suis en train de lire un roman extraordinaire qui s'appelle Le problème à trois corps et sa suite, La forêt sombre. Et là, en plus, quand on est européen, lire de la science-fiction chinoise, ben, ça nous dit quelque chose. Non seulement ça nous dépayse, ça nous fait voyager, et ça nous dit quelque chose de très fort sur la société. Donc il y a cet aspect-là. Mais c'est aussi un roman qui utilise beaucoup de ces artefacts dont vous parlez. Mais je pense qu'il a pris l'auteur, Yuxiu, a pris le twist de mettre dans son roman des éléments qui nous laissent penser qu'en fait, on ne se situe pas du tout dans l'univers tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et donc il a pris le parti de dire bon voilà, on est dans une autre réalité et voilà tout ce que je vais inventer. Et là je trouve que tout de suite on est moins dans de l'anticipation parce qu'il nous laisse des indices pour penser qu'il ne veut pas faire d'anticipation, qu'il veut aller chercher ailleurs autre chose. Et là nous, notre imagination de lecteur peut se déployer complètement et là on se laisse complètement embarquer par des outils qui peut-être statistiquement joueront le... Par exemple il utilise l'idée de poinçonnage mental qui là aussi sont des choses qui font écho de manière très forte à ce qui s'est passé ou à ce qui se passe en Chine. Et moi c'est ça qui me plaît dans ce type de roman, c'est pas forcément la justesse que va avoir l'auteur à taper juste sur quelque chose qui va advenir. Et merci de votre question. Donc effectivement ce qui est vraiment vertigineux dans la pensée de Camus, qui là pour le coup était il a été contemporain de Turing et Minsky, mais néanmoins il n'a pas vu ou pas pensé l'IA telle qu'elle allait devenir. Néanmoins, dans sa pensée ou dans sa philosophie, on a des ressources extraordinaires pour essayer d'affronter le monde tel qu'il est en train de se construire. Et surtout, le besoin que j'ai eu de faire ce retour à Camus, c'était en écho à ce que je vous disais un petit peu plus tôt. C'est-à-dire, je constate que ça va tellement vite que la capacité à anticiper ou penser les choses est finalement rattrapée par le réel lui-même. Il faut prendre de la profondeur de champ.
Et vous avez dans, dans Camus, quand on le confronte en dialogue avec l'IA, la pensée de l'absurde, l'humain d'abord, la capacité de résister ou de s'opposer, cette tension entre la liberté et la survie, je pense que ce sont des ressorts dont on a besoin, des clés pour la pensée qui sont utiles aujourd'hui. Je crois que la session est terminée malheureusement. Je voulais remercier nos trois orateurs pour cette magnifique session. Et puis celle qui suit finalement est bienvenue pour une des réponses à ta question, Nicolas. Voilà, j'annonce la prochaine session. Je vous donne rendez-vous à 16h où nous nous poserons la question « La morale est-elle programmable ?» À tout à l'heure, juste après la pause.